Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars! Bienvenue les rois et les reines. Aujourd'hui, nous travaillons le twang. American people, they speak like that. Donc, ils parlent beaucoup dans le nez. Alors que les Français, n'est-ce pas? Et puis les Européens en général, ils sont plutôt dans la gorge. Hein, quand on va dans un aéroport, on reconnaît les Français parce qu'ils font « Oh bonjour, comment je vous reprends, voilà !» Et les Américains parce qu'ils font « D'accord. Donc on va faire, on va jouer aux Américains et on va dire « Ah c'est dingue, 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 la country, oui c'est dingue !» Il faut pas faire « Oh c'est dingue, 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 la country, oui c'est dingue !» Il faut vraiment imiter Donald Duck, être à cet endroit-là et y rester. C'est comme ça que vous réussirez à faire des notes très très aiguës sans faire un truc trop classique, sans faire plus moderne. C'est clair? Ça va, je vous ai pas pété les oreilles? On se met un petit rythme country. Le yeeha, c'est très américain ça de faire yeeha, c'est une manière de dire youpi. Les Français ils diront youpi, les Américains diront yeeha. Alors on y va. Même dans les graves, c'est parti. Le chapeau de cowboy sur la tête. Chanter. Alors que si vous twanguez, c'est-à-dire que vous placez vraiment dans le nez. Ah, quoi, quoi, ah, c'est dingue, 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 la country, oui, c'est dingue. C'est pas forcément merveilleusement beau, mais en général, dans une chanson, vous avez une seule note que vous devez placer en twang. Ça marche? On en fait encore deux vers le haut? Un peu plus lentement. À bientôt les rois et les reines. Vocal les gars, vocal les gars.